Jeudi à vendredi 22 décembre 2017. Bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la CAO pour nous capables pour dernière sortie téléjournal pour semaine si là et déjà on appelle souhaiter tout le monde passer un joyeux Noël et une heureuse année 2018. N'appel pas au principal point d'abord pour nous développer maintenant en dernière sortie pour semaine si là pour nous faire connaître coupe présidentielle organisée une fête pour personnel palais avec famille journée jeudi 21 décembre non j'allais palais Silia. Choléra, réchauffement climatique, dette indépendance pays d'Haïti, esclavage en Libye, c'est quelques noms diverses thématiques qui ont fait objet de discussion 48e session Assemblée parlementaire. Carrefour Richesse réalisé jeudi 21 décembre, il y a une série d'expositions pour capable sensibiliser population et puis que l'environnement propre et puis des jeunes étaient créatifs et puis arriver joindre la richesse pays. Première dame République la Martine Moïse était visité activité cela et puis encourager jeunes artistes et à l'échelle internationale n'a bien pour capable informer sur dernière élection qui déroulée en Catalogne côté trois partis indépendantistes yo vini en tête de liste ensemble point ça va camper l'autre a bien fait essentiel dernière sortie téléjournal la pour semaine cela n'a pas vite été branché chaîne là. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti le fond qu'on a pas souhaité bienvenue dans dernière sortie téléjournal la pour semaine si là. Traditionnelle cérémonie échange VIO déroulée mercredi 20 décembre dans le Palais National en présence représentant trois pouvoirs l'État avec membres corps diplomatiques là. Dans l'occasion, la famille présidentielle a présenté V santé, prospérité avec la paix par la population haïtienne. Président de la République, Jovenel Moïse, dit la paix continuer, corriger et innover pendant 2018 là, cap centré sur exécution divers projets sur développement socio-économique et politique. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay à nous suivre. Doyen corps diplomatique là, archevêque Eugène Martin Nugent, félicité choix chef l'État a fait pour améliorer conditions de vie population dans différents niveaux, et spécialement dans la lutte contre corruption, mise en place caravane changement qui d'après lui, c'est une stratégie tout neuf communauté internationale là a supporté. Nonce apostolique là encourager président chercher moyen pour couper misère et pauvreté dans la société. Vous êtes donné comme objectif de votre quinquennat de redresser Haïti en œuvrant pour le progrès, l'ordre, la discipline, de combattre les crises institutionnelles, de consolider l'état de droit, de relancer l'économie, la croissance durable, d'améliorer les conditions de vie des Haïtiens, de promouvoir le bien commun, la bonne gouvernance, la justice impartiale et équitable, la lutte sévère contre la corruption, le dialogue et la concorde entre les différents pouvoirs et les secteurs de la vie nationale et internationale. Nous vous encourageons dans la poursuite de ces objectifs. Président républicain Jovenel Moïse, dans l'intervention, fait remarquer qu'il n'a jamais suspendu le travail pour bailler la population en service depuis le montée sous pouvoir, ça a 10 mois. Chef l'État remercie tous les collaborateurs qui comprennent et croient dans la démarche fait pour l'avancement du pays, et spécialement parlementaire 50e législature qui accompagne la mise en place cadre légal pour divers projets à exécuter. J'exprime le vœu que les pouvoirs de l'État ne s'épargneront aucun sacrifice en vue de la consolidation de la démocratie en Haïti. En ce sens, j'invite les partis politiques, la société civile, le secteur privé des affaires, bref, toutes les forces vives de la nation à œuvrer inlassablement en 2018 pour maintenir le momentum du dialogue initié cette année pour aboutir à la réussite des États généraux sectoriels de la nation, mettre en place
le Conseil électoral permanent, compléter la Cour de cassation pour mettre en place la Cour constitutionnelle et renforcer le système judiciaire. Sous plan politique, président Jovenel Moïse fait qu'on n'ait pas de dialogue là l'ouvrir pour tout secteur. Président dit qu'il souhaitait en quel pouvoir l'État n'a pas négligé consenti sacrifice pour concrétiser le processus dialogue là qui centré sous grand chita palais à la Ronde Badea. Chef l'État cité longue vision li gagné pour Haïti pour année 2018 qui a venu là dans divers domaines, tant que énergie, agriculture, environnement et investissement. Levons-nous vers pour souhaiter au peuple haïtien un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2018. Merci à quelle collaboratrice nous Sabine Jean-Étienne, à quelle Jean-Aël Duvernay n'a pas toujours été dans même information qui concerne les coupes présidentielles là pour nous faire connaître. Coupe présidentielle organisée en fait pour personnel Paléa, avec famille, journée jeudi 21 décembre. Ventilateur, petit employé avec plusieurs élèves de l'école nationale se voit jouer dans mes coupes présidentielles. Le président de la République là, c'est dans mes coupes Sabine Jean-Étienne, avec le journal du Vernet, n'a pas vite suivre. Je salue première dame, petite parmi eux qui là, donc venez, même Jacques, nous, qui pour venir fêter parce que nous sommes deux premiers employés pays, deux premiers employés palais. Nous venons là, nous venons avec petite, nous tout le monde vient fêter ensemble avec nous. Et sentiment par aujourd'hui, 10 mois après, je me rends compte que nous dérapons pour nous travailler, pour nous guider dans l'autre pays, pour nous-mêmes qui devant nous. J'aime toujours dire, pas une génération spontanée, ça veut dire que tout le monde nous est aujourd'hui. Pour nous venir, on paye meilleur demain, c'est grand monde pour commencer à travailler pour nous. Ça veut dire président. Il faut prendre gros décisions. Parfois, il y a des décisions. Il y a des grands monde qui ne sont pas contents. Mais il faut que décision au point pour que dans 25-30 ans qui venir, là nous-mêmes, nous ne pour nous venir prendre place, maman ou papa. Nous ne parlons pour nous venir prendre place, pam. Pour nous quitter un pays qui paraît pour recevoir nous tous. Et c'est pour ça que je prends une grosse décision aujourd'hui. Pour me dire, tout petit employé qui n'a pas de national, mon petit monde qui n'a pas ULGBN, petit policiers dans la CAPTIM, dans l'USP, employés civils qui viennent dans le palais, petit tout, petit personnel, petit au cadre, je dis à nous tous faisons, nous faisons ça. Nous tous mélangeons, nous dans Noël l'année Jadou, je me dis, mettre sous pied un gros raf qui va le faire pour tout le monde avec chaque unité. D'après, je me demande pour ça organiser, chaque pour le gagner en catégorie de prime. Que les PSGPN, les CAPTIM USP, les petits personnels là. Cadio, nous allons gagner une catégorie de primes et nous allons faire raf ça dans une ambiance festive. C'est un coup de timonio. Nous connaissons un choix qui va le faire pour ce timonio qui pour choisir dans le rouleau qui est-ce qui va le gagner. Autocyclette, frigidaire, fou. À gaz, qui laisse qui prend le ventilateur? Je dis. Mais ça, je dis grand monde, parce que je ne parle pas de petit monde.
m'a dit tout collaborateur, collaboratrice, moi qui n'ai pas l'air. Pour qu'on ait aujourd'hui, j'aime te dire depuis le premier jour que je suis venu ici, il y a bien un frère. Parfois un petit frère, parfois un grand frère. Ça dépend de l'âge. Qui est ensemble avec vous, qui n'a pas l'air. Un frère qui connaît le problème. Qui comprend ce qui a passé parfois dans la vie. Mais nous connaissons que le pays a un problème en pile. Ce n'est pas tout ça nous gagnons comme problème qui va résoudre. Mais je nous connais, Noël, c'est fait partage, c'est fait l'amour, c'est fait pardon. Nous arrivons dans un moment là pour nous partager ça nous gagnons, pour nous partager ensemble l'amour, nous. L'esprit de sacrifice, ça. Yon remet l'autre là. Nous arrivons dans un moment pour nous partager. Voilà, on t'a suivi l'intervention président de la République là, Jovenel Moïse. L'autre information dans le journal là pour maintenant, ministère touriste inauguré 3 débarquements dans 2 communes département sud des pays. Inauguration infrastructure ça a fait en présence de différentes autorités parmi eux, sénateur Hervé Foucan avec député Akin Jean-Robert Bossé. Et ça y aura lieu ça que Wilson Idori a présenté dans le reportage nous suit. Trois débarcadés yo construit yon nan commune Akin ak de nan Saint-Louis d'Iside. Grâce à ki yo, habitant nan communauté sa yo pral gen plus facilité pour exploiter richesse naturelle yo pi bien et puis aider plus moun découvrir potentiel touristique des communes sa yo. Construction trois débarcadés sa yo fait partie projet qui pote nan région intégrée aménagement touristique SID, ministère tourisme géré. Yon démarche habitant nan communauté sa yo salye d'après yo qui pral pote en pile pour yo nan activité économique yo. Des bagages nous a prévu que pou ni anon. Moi-même, l'association Pilier Saint-Dizier, l'importance de l'autre cadre pour nous dans la vie, parce que longtemps, nous avons péché, nous avons même des côtés pour nous vendre des produits, ce n'est pas votre prince ou bien au caille. Nous espérons que pendant tout le monde, paix vient là avant de sortir là, nous parlons de l'autre point économique parce que. Non seulement nous avons vendre la caille, nous devons payer la machine, nous devons monter à l'autre point de la caille, nous devons vendre la tourisme là, et nous avons un bateau que nous avons à tout, économiquement parler de nous, nous sommes capables de prendre la tourisme là, du fort des Anglais, du fort des Anglais, du fort des Anglais, des Olivier, du fort des Anglais, nous voyons que du fort des Anglais là, c'est important pour nous, en pile, pour surtout pour pêcher à vivre aux environs communes du Sud. Fait touriste la vini yon secteur qui est capable de participer dans le développement commune sa yo. C'est souci ministère touriste à travers qualité projet sa yo, d'après ministre Émilie Jessiménos. Ministre touriste la annoncé divers lots de travail, parmi yo, restauration fort des Oliviers et fort des Anglais. Pour faire zone sa, tourner yon destination touristique. Nous connaissons que grand pile demande au niveau de population. Nous ne pouvons pas connaître exactement si nous voulons si nous gagner plus de bateaux, si nous voulons gagner un chambon DCP là. Donc tout ça, ça c'est pareil que nous allons faire à la longue. Mais ça, c'est la première étape qui s'était construite des barcadères là, parce que nous n'avons pas gagné avant, et qu'on y a là, nous avons gagné, donc, et député et sénateur, pardon, tout à l'heure, il parlait aussi de, et on débarcadère dans Gros Sky là, tout. Tout à l'heure, nous avons survolé là, tout nous voyons tout ça qui gagne, tout ça qui méritait fait. Président Payan, c'est pour ça que le mettez ministre, particulièrement moi-même, ministère touriste. Pour qui ça? Parce que nous gagnons, nous prenons conscience de tout ça qui méritait fait. Président, lançons caravane changement et caravane dans la ligne sud là, tout. Et la privée, les rivières à 15 jours aujourd'hui, en côté que nous gagnons et des bacadères dans la qui fait là, mais nous libérons venir à 15 tout et la continuer. Bientôt nous parlons son inventaire de tout site touristique et de toute bagarre qui gagne dans le pays. Parce que chaque temps ils vont côté, c'est ça que m'a dit en plusieurs fois, chaque temps ils vont côté, gon moun k'ap di que gon sous, gon grotte, gon baï k'ap fait, gon baï ki la. Donc pour mettre fin à toute bagarre ça, nous parlons répertorier, n'a font inventaire de tout site touristique qui gagne dans la ville. Construction trois voies ça yo
L'autre information dans le journal là, Carrefour Richesse réalisé jeudi 21 décembre une série d'expositions dans l'idée pour capable sensibiliser la population qui aime l'environnement propre et puis des jeunes qui créent richesse dans le pays. Dans l'occasion, première dame en République, la Martine Moïse a visité l'activité et puis a encouragé les jeunes artistes à continuer à faire bel travail à faire. Rodney d'Orléans et Rémi Godut a présenté un compte rendu. Activité ça permet divers jeunes qui sortent dans le quartier populaire exposer une série de produits fabriqués avec fatra plastique. Responsable Carrefour Richesse là, Madame Rose Anne Auguste, fait qu'on ait une initiative ça, c'est pour faciliter jeunes qui pratiquent métier ça rentrer l'argent en poche. Yo yo capable mettre tête ensemble pour yo kembe quartier propre, pour yo kembe quartier en espace côté tout le monde qui vivre là dans. C'est un peu ça. Exposition et en même temps tout son exposition qui est là pour permettre de créer richesse. L'atelier écologique là c'est avec très peu d'argent que vous préparez, ça y a préparé. Il y a juste besoin de ciseaux, il y a besoin de fil pour monter tout ça avec fil à ligature, mais il n'y a pas dépensé en pile et il est capable de vendre ça, il fait à tout, il est capable de vendre balayo parce que balayo très. C'est pas l'esprit vendre balayo seulement, mais c'est l'esprit transformer bouteille là qui pour pas déranger l'environnement et puis en même temps tout balayer durable. Là on achète un balayer ça pour 50 gouttes ou bien on achète un plus gros pour 100 gouttes, balayer ça fait 6 mois comparativement à l'autre balayer peut-être qui fait avec la tanière qui capable finir en un mois et demi à balaver, mais ça au cas balayer là où il a fait sauver avec très robuste. Balayer, poubelle pour gérer fatra, tableau, c'est quelques parmi divers œuvres jeunes talents en dans Carrefour Richesse t'est exposé dans occasion. Nous, lorsque nous regardons l'environnement, nous avons un paquet de déchets qui nuisent à l'environnement. Par exemple, lorsque nous prenons des bidons en plastique, ils vraiment nuisent à l'environnement. Donc, nous-mêmes, nous réfléchissons, nous sommes capables de porter et support par nous. C'est aller dans la communauté côté de vivre parce que nous avons des séries mesdames ensemble avec nous. Ils allaient dans le quartier parce que chaque soit dans un quartier différent, ils ont ramassé. Donc, lorsque nous venons avec un atelier, qui ça nous fait, nous transformons les choses pour vivre dans un environnement, qui nous nuit à l'environnement, qui donc nous transforme, qui nous regarde vraiment. Utile. Première dame République là, Martine Moïse, dans visite li, félicité activité ça, qui d'après lui, c'est une plus bonne façon pour vendre image positive pays d'Haïti. Plus loin, première dame là, annoncé l'a organisé un concours dans secteur ça. Depuis son côté pour encourager, frère Maxime, moi toujours là. Donc, artiste, en là, en soi, c'est lui-même qui peut aider nous vendre Haïti. En Haïti, il faut nous bailler une autre image de lui. Il faut nous suspendre montrer ça qui nous est négatif. Parce que tout le monde gagne ça qui est négatif là quand nous. En nous vendre positivité, en nous vendre ça qui est positif. C'est ça que fait, il a fait exposition ça là. Je me dis non, je ne peux pas venir. Même si j'ai une autre activité, il faut créer un temps pour artiste. Parce que j'ai l'intention de faire un concours pour eux dans divers domaines. Même après que je suis avec l'autre artiste qui connaît le domaine, parce que ce n'est pas le domaine de mon artiste, je voulais aider la donne pour aider à monter ça, pour aider l'autre artiste. Exposition Richesse Lacaille, c'est thème qui t'a marqué activité SILA. Ministère environnement lancé une campagne pour porter la rine en occasion fête fin d'année. Décision ça, c'est pour capable permettre la population haïtienne de mener activité dans l'espace qui propre. Reportage Jean-Marguerite Auguste. Quartier Pam Propre, c'est campagne ça, ministère environnement lancé depuis mercredi 20 décembre là, dans divers quartiers dans le département de l'Ouest là, pour mettre la rue à propre. Ministère environnement prend décision ça pour permettre maman et papa petit qui participer dans campagne là rentrer un petit l'argent pour yo répondre à une série obligations familiales dans occasion fête fin d'année yo. Habitants yo salué initiative ça qui permet la rue arrêter propre, qui permet tout moun yo vivre en santé dans zone yo. Propre aller pour nous lier et on fin d'année qu'a rentrer, faut nous rentrer dans faut nous rentrer dans année en belle quand même dans zone là. Sauf que gen quelques bail par rapport à quantité qui pour qui ta gagne pas gagne, ça veut dire travail là il pas suffisant et mon yo vraiment mobilisé pour travail là, mon yo vraiment vraiment intéressé parce que ont besoin un travail comme ça sous zone là, yo remet pour zone yo rete propre parce que mon yo remet santé en pile. Moi ta besoin pour ba nous matériel pour nous faire travail là normal parce que mon content travail là qu'a fait là parce que là nous pas la caille nous pas marcher.
nous pas jambé de l'eau fatran là nous connaît fatran d'ab jambé non tout d'ab jambé bien content travail ça nous mettez dans l'aria pour nous faire mais pas nos outils pour nous travailler et puis coller les épaules. Il représentait un apaisement social. Il représente un apaisement social parce que par rapport avec et ça a l'air que mon yo pral joindre là la capable couvrir quelques frais pendant période fête là connaît pendant période fête là pour pas qu'être mon a monter descendre à droite à gauche pour avoir espoir vu avec projet ça qui vient atterrir dans circonscription son paquet de bagages que les pour nous ministère de l'environnement prend initiative ça pour opter la ria objectif là c'est nettoyer toute zone et qui concerne le ministère de l'environnement et c'est injecter l'argent dans la poche de la population. Activité nettoyage là c'est ramassage sembler dans un côté prêt côté qui pas embarrasser population. Zone Thomasin, place Saint-Pierre, Sonmas, ces trois zones ça qui premier bénéficier quartier pam propre là cap gagner pour continuer dans diverses autres zones dans Port-au-Prince et dans ville provinciaux. Choléra, réchauffement climatique, dette indépendance pays d'Haïti, esclavage dans le pays Libye, c'est quelques diverses thématiques qui ont fait objet de discussion 48e assemblée, 48e session assemblée parlementaire. Qui arrive dans Boutli, président ACPA dans le pays d'Haïti, député Price Cyprien, a expliqué réunion ça après le pégain gros retombé politique et économique pour le pays. Il a expliqué pendant 7 jours environ 2,5 à 3 millions de dollars américains injectés dans l'économie pays. Activité ça permet aux parlementaires étrangers de gagner l'autre compréhension du pays d'Haïti. Il y a un extrait dans le micro, Anne-Marguerite Auguste, qui a Fresnel tout ça. Nous travaillons sur un pile thématique, et particulièrement nous travaillons sur la question esclavage en Libye, nous travaillons sur la question esclavage en Mauritanie, nous travaillons sur la question la sécurité à travers les États ACP et l'Union européenne. Nous travaillons sur la question du réchauffement climatique. Là, pas oublier que après les accords de Paris, et nous avons signé COP21, COP22 et COP23, qui prévoit un fonds pour aider les petits États insulaires qui sont en difficulté à cause du réchauffement climatique. Là, nous connaissons Haïti identifié comme un pays qui est plus vulnérable dans la question du réchauffement climatique. Là. Donc, Haïti doit participer dans le fond ça. Et Jean-Président a dit, nous ne pouvons pas aller, Jean-Noté Kwanfel déjà en mendiant, nous pouvons aller en tant que partenaire, parce que nous, c'est de droit que le fond ça, nous devons participer là-dedans pour permettre la reconstruction du pays. Donc, nous avons profité de l'occasion en tout, parce qu'il y a des questions qui intéressent vraiment l'État haïtien. Question choléra, nous avons profité pour nous demander. Tout est parlementaire dans 106 pays qui étaient présents en Haïti, c'est-à-dire 79 délégations pays ACPO, plus 27 délégations pays européens, nous demandons pour être solidaires avec nous dans le combat que nous avons mené pour nous faire et Nations Unies dédommager toutes victimes de choléra en Haïti. Nous connaissons que le choléra a été finalement identifié que ces Nations Unies qui étaient venues avec, donc Ban Ki-moon te promet pour lui indemniser toutes victimes de choléra en Haïti, mais nous connaissons que jusqu'à présent, l'indemnisation s'est arrêtée lettre morte. Il n'est pas jamais arrivé atterri, donc nous demandons parlementaires ACPO, parlementaires Union Européenne pour aider nous atterri avec indemnisation dans la question choléra. Donc nous passons sur la question réchauffement climatique là. Et dans assise ça tout, dans le discours président pays a été prononcé, avec le discours président Chamio a été prononcé, nous avons retourné sur la question d'être indépendant que nous avons payé et nous demandons parlementaires pour nous battre notre goutte main. Pour l'agence que nous avons payé, nous avons mal payé, parce que nous avons bataillé pour nous gagner l'indépendance, nous, pour nous battre un petit coup de main, pour nous voir si nous arrivons vers une solution. Quoique, nous connaissons que c'est par voie diplomatique que nous devons avancer avec le dossier ça. Donc, en fin de séance, tout parlementaire ACPO avec l'Union européenne, ils étaient très contents de assises qui étaient faites en Haïti. Contrairement à l'image que j'ai vendu de Haïti avant, ils ont même dit que c'est une sinon, c'est seule assemblée paritaire à ces pays qui réussit, j'en réussis en Haïti.
Gérard Jean-Pierre, installé jeudi 21 décembre dans le ministère des Affaires sociales comme directeur de main-d'œuvre, directeur général du ministère Rudy Rivo qui procédait à l'installation. Nouveau directeur a remercié le ministre des Affaires sociales, Stéphanie Auguste, pour le choix de faire de lui pour diriger la direction. Le nouveau directeur a compté sur la collaboration de tous les collaborateurs pour arriver à faire le travail ça, qui n'est pas facile. Je vous invite à suivre. Ce poste n'est pas un cadeau qui m'est offert sur un plateau d'argent, mais c'est un poste qui constitue un défi de plus dans ma carrière en tant que professionnel et que je tâcherai par rapport à ça de remplir mes responsabilités avec tact et loyauté comme je l'ai toujours fait d'ailleurs dans mes expériences antérieures. Je voudrais aussi vous dire que je compte beaucoup sur la collaboration de tous, mes collaborateurs immédiats, mon directeur général qui est avec moi, pour pouvoir faire ce travail que j'estime n'est pas du tout facile, parce qu'on parle de développement de la main-d'œuvre. Et par rapport à ça, je dois vous dire que aucun pays, et Haïti particulièrement, ne peut prétendre se développer si on ne peut pas assurer la compétitivité de la main-d'œuvre, la formation de la main-d'œuvre, le placement sur le marché du travail. Là, je parle surtout de l'axe d'insertion et d'intégration de nos jeunes professionnels sur le marché. Et que par rapport à ça, j'espère profiter de mes expériences antérieures, j'espère capitaliser sur ces expériences-là pour pouvoir faire ce travail-là, mais tout en comptant aussi, comme je viens de le dire, sur mes collaborateurs au niveau de la direction de la main-d'œuvre. Jacques a annoncé les différents titres. Il faut connaître que dans l'élection qui fait en Catalogne, dans la dernière élection, ça a eu trois partis indépendantistes qui arrivent en tête de liste. Et il y a un président destitué catalogne, Carles Puigdemont, qui lui-même, depuis Bruxelles, a adressé avec sympathisants. Et très certainement, à cause d'une difficulté technique, nous n'avons pas de possibilité pour nous capables de permettre de vivre plus par rapport à la dernière élection. Ça a eu, mais dans la prochaine sortie, on n'a pas de possibilité puisque journal mi-temps journée, on a une possibilité pour capable suivre plus de détails dans la dernière élection qui fait en Catalogne. Le journal arrivé dans le bout, mais juste avant nous aller, nous rappelons ensemble de points de développer pour matin. Coupe présidentielle a organisé une fête pour personnel palais avec la famille jeudi 21 décembre dans le jardin palais. Choléra, réchauffement climatique, dette indépendance d'Haïti, esclavage dans le pays Libye, c'est quelques diverses thématiques qui ont fait objet de discussion 48e Assemblée parlementaire. Carrefour Richesse réalisé jeudi 21 décembre une série d'expositions dans l'idée pour sensibiliser la population qui a bien environnement propre pour aider les jeunes créer richesse dans le pays. Première dame républicaine Martine Moïse a été visitée activité cela et puis encourager jeunes artistes. Nous te contents avec vous pour être capable pour tes dernières sorties téléjournal pour semaine ainsi là, mais entre temps n'a pas souhaité tout pour une passion joyeux Noël en compagnie de la télévision nationale d'Haïti bien sûr et déjà n'a pas souhaité une très bonne et heureuse année 2018 dans la paix et la sérénité également dans la joie. Très bonne journée de vendredi à tous les téléspectateurs.